Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce In My Mailbox du mois de novembre. Désolé, j'ai pas fait de vidéo de ce lundi dernier. C'est bien parce que je suis malade depuis une semaine. Lundi, j'avais la voix qui variait entre celle de Darth Vader ou du Stallone. Je sais pas si vous voyez ce que ça rend, mais c'était vraiment horrible. Et en plus, il y a des travaux chez moi, donc beaucoup de bruit. Et voilà, franchement, j'ai pas la tête de faire une vidéo. Donc là je profite que j'aille un peu mieux. Donc désolé si j'ai une tête qui fait peur sans faire exprès. Cette phrase me dit quelque chose. Ah oui, c'est Docusco. Donc voilà, désolé si ma tête est horrible, si je suis blanc, si je tousse un moment ou quoi. Je suis encore et toujours malade, ça fait une semaine. Je suis au docteur cet après-midi, donc on verra bien. Donc malgré ça, j'ai quand même réussi un peu à lire. Non, on n'est pas au lundi, on est au même box. Donc j'ai reçu le premier livre du mois, j'ai reçu Gone, tome 5. Donc bon, je l'ai lu et je l'ai adoré. Bon, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de livres ce mois-ci. En fait, pendant 2 semaines et demie, j'ai racheté. Parce que bon, avec le moral et tout, ça y était pas, j'ai pas beaucoup acheté. Mais je me suis rattrapé sous la fin en fait. Jusqu'au 20 novembre, j'avais qu'un livre. Donc c'était Gone. Les 10 derniers jours, il y a tout qui est arrivé de coup. Donc, voilà, c'est du bon moral quand même. Alors, j'ai reçu en occasion. C'est quoi le titre? Chronique des Tours Obscures, tome 1. Le tome 2. Toc toc toc. C'est comme ça. Et le tome 3. Voilà, donc j'ai les 3 tomes, je crois qu'il y en a 6 au total. Je suis pas sûr du tout. Je vais voir si c'est écrit. Je crois que c'est 6 ou 7. Non. Non, il n'y a rien d'écrit. Non, je crois que c'est 6. Ensuite, cadeau de mon neveu. Acheté par ma mère, bien sûr. L'Académie Rowan, tome 2, le dernier assaut. J'ai pas lu le premier, mais j'adore la. Je sais pas si on voit bien les couleurs. La couleur, elle est vraiment très belle. Bon, sauf la tête du personnage qui est immonde. Franchement, on le croise, il fait peur. Je croise le trottoir, je change de trottoir. Ensuite, les chroniques de Wood, quelque chose comme ça. Moi, j'ai même pas lu le résumé. Je l'ai pris juste pour l'objet livre lui-même. Voilà, il est, bon, le livre est carré. Je pense qu'on va bien voir. Carré, cartonné, avec double tranche, double couverture. Voilà, derrière aussi. Pareil. Comme ça. Voilà, très beau objet livre. Les pages sont assez épaisses. Ils sont toutes, je sais pas si on va bien voir aussi. Toutes sont pas la même. C'est pas droit comme tous les livres, c'est il y a des pages qui dépassent, etc. Donc voilà, c'est bête, et moi ça m'a fait. Ça donne envie. En plus, il y a des jolies illustrations, je crois. Oui, à chaque chapitre, il y a un dessin. C'est bête, mais il me faut peu pour que je craque. Et voilà, couverture assez sympa. Donc, bon, ça a l'air très jeunesse, mais voilà, à découvrir, j'ai hâte de le lire. Je me suis pris aussi Magie secrète, ouais. C'est pas une saga, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Non, il n'y a pas de tome muniré. Donc, voilà, la couverture est pas mal, le résumé, je crois que je l'avais lu. Oui, j'ai souvent les livres à cause de la couverture. Si, je crois que je l'ai lu, que j'avais bien aimé. Donc on va voir ce que ça donne. Un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est Autre Monde, tome 5, Oz. J'aime beaucoup la couverture. Hein. Sauf le bateau. Qui fait un peu tache, je trouve au milieu. Sinon, voilà, très jolie couleur. Toujours très hâte de le lire car j'avais beaucoup aimé le quatrième livre. Ensuite, un livre gagné.
dans un concours, Les Anges de Verre. Aussi, le résumé a l'air pas mal. Je lis pas beaucoup de. Ah, il y a des petits mots. Je l'ai pas vu. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas beaucoup de ce genre de livre, donc ça peut être une occasion de s'y mettre. Même si j'ai le gros problème de toujours savoir qui est le coupable et tout dès le début du. Enfin, dès que personnage arrive. Donc on va voir ce que ça donne. Désolé. Ensuite, cadeau d'anniversaire de la part de Enya, que je remercie. Tome 1, L'âme du dragon. Ou le contraire. Non, Cœur de Jade, L'âme du dragon. Tome 1, Le secret des masques. Cool, un livre tout en. Tout brillant. Hein. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire. Hâte de savoir un peu ce que ça va donner. J'ai vu de bonnes choses dessus, donc il ne peut pas y avoir de soucis. Ensuite, Harry Potter et la braguette magique. Donc, bien sûr, une parodie d'Harry Potter. Version un peu olé olé. L'auteur, je ne dirai pas son nom car je ne dis pas de gros mots en vidéo. Mais voilà. Je vous laisse le dire à votre haute, vous comprendrez de suite son nom. Le pire, c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est son vrai nom. J'ai cherché sur internet et. Il s'appelle vraiment comme ça. Là, si j'ai bien cherché. Le pauvre. Et voilà. Non, pas voilà. J'ai oublié ça. Je me suis fait une commande assez spéciale. Je me suis acheté, parce que quelqu'un le vendait sur le groupe d'achat et de vente. Les 8 premiers tomes de Battle Royale en manga. Tome 1. Tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7 et tome 8. Donc voilà, ce qui concerne l'Imamel Box, donc petit mot. Ouais, enfin, petit mot, il y en a quand même 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Quoi que non, en fait, c'est beau mot. Tout ça en une semaine et demie. Donc, une bonne box est finie, on se retrouve lundi. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème lundi. Si je fais pas une rechute d'un gin, de rhum, de grippe ou je ne sais quoi, je serai là lundi pour le C'est lundi que lisez-vous. Merci à tous pour vos petits mots, votre soutien, etc. C'est vraiment toujours. Ça fait toujours autant. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont restés. Et on se retrouve là pour une nouvelle vie. Bye. Cœur de pirate.